Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec le groupe MVP du Cap Nord. Ce qu'on va faire aujourd'hui du coup, c'est que je vais poser des questions à Mister groupe MVP. Voilà, groupe MVP si tu veux. Donc je vais te poser des questions et tu vas y répondre. Tu fais quoi dans la vie? Ah bah comme je suis un gros kicker, bah du coup je passe longtemps sur des écrans et j'aime pas quitter mes écrans. Comme un gros ouf, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te poser des questions. On va commencer par les tu préfères. Ensuite, les questions assez simples. Et ensuite les énigmes. Ok. Ça te va? Yeah. Tu préfères vivre avec des spaghettis sur la tête et avoir toujours tes écrans, tes jeux, etc. Ou vivre normalement comme t'es, mais ne pas avoir d'écran. Et ne pas avoir de jeu. Mais normalement. Ok, alors je préfère vivre avec un spaghetti sur la tête ou sur les écrans. Les spaghettis sur la tête, ça c'est ok, quick. Tu préfères vivre avec des spaghettis sur la tête toute ta vie? Je vais faire un challenge. Tu sais quoi sur ma chaîne, je vais faire un challenge comme ça. Avec des spaghettis sur ta tête? Oui. D'accord. Tu préfères la télé ou l'ordinateur? La télé, c'est pour regarder des dessins animés ou regarder des vidéos. Alors que l'ordinateur, en fait, tu peux jouer ou enregistrer les vidéos, donc je préfère l'ordinateur. Tu préfères Mario ou Luigi? Comme Mario, lui, il a aucun talent, donc je prends Luigi parce que lui, il saute hyper haut. Mario, il a aucun talent. Ouais, lui, il est juste bien équilibré, alors que Luigi, lui, il saute hyper haut. Genre, du coup, Mario, il est sur côté de ouf. Ouais. Ah ouais, et du coup, le mieux, c'est Luigi, à côté de Mario. Ouais. Ok. En plus que... Ok, bon. Alors, en plus que, en fait, Luigi, lui, comme il est tout pauvre, lui, il fait Godin, en fait, comme c'est moi qui fais tout, moi, je dis Luigi, parce que sinon, ça se fait pas pour lui. Voilà. D'accord, ok. Tu préfères manger, genre manger les trucs que t'aimes, ou jouer? Alors jouer à tes jeux vidéo et tout. Jouer. Genre tu préfères mourir de faim? Non mais... Que jouer? Enfin que mourir de faim à la place de mourir de... Mais c'est vrai qu'aussi, moi, enfin, j'aimerais bien en fait de dire manger, mais comme j'aime jouer, bah du coup je dis jouer, mais... Ok. Tu préfères McDo ou Quick? C'est quoi Quick? Donc McDo? Tu connais même pas Quick? Ah si, le truc est Quick! C'est un truc comme ça! Mais tu sais, c'est le hamburger avec des frites à la place des cheveux. Ah! Avec la fille, le gars, les parents et tout là, dans la pub! Tu parles de la pub? Tout chez Quick, un truc comme ça! Chez Quick! Tout c'est Quick! De toute façon, maintenant. Madonna, moi je dis Madonna, je m'en fous parce que hier, mais écoute, trop de sèche! Ok, et physiquement, tu préfères les filles blandes ou les filles brunes ou les filles rousses? Donc, filles blandes. Comme toi? Bah genre quand les cheveux blonds comme nous. Ah genre les cheveux jaunes et ouais, enfin ouais. Cheveux roux c'est orange je crois. Ouais. Et cheveux bruns t'as dit? C'est noir. Okay. Ou marron foncé. Je préfère les filles en cheveux bruns ou alors filles bruns. Les cheveux bruns ou les cheveux blonds. Chez les filles, tu t'en fous soit brun soit blanc mais pas roux. Elle est roux et t'imagines une fille avec les cheveux roux? Bah ça existe, il y en a plein qui sont belles. Mais t'imagines ça, genre tes copines avec une fille comme ça? Bah ça fait quoi? Bah moi, je fais une basine, non, mais moi je dégage, je veux pas te voir. Toutes les filles qui ont des points sur le visage, avec les cheveux roux, c'est un truc de ouf. Bah si vous êtes abonné alors que vous êtes complètement comme je vous ai décrit, désolé. Je suis pas... Ça me fume. En fait, t'aimes pas les... Non, en fait, c'est pas que t'aimes pas les rousses, c'est que t'aimes pas les taches de rousseur. T'aimes pas les taches de rousseur. Genre en mode des petits peu comme ça. Ouais, ça t'aimes pas. Je déteste. D'accord. Mais en soi, la couleur de cheveux, genre, regarde, elle est rousse, mais elle a pas de taches de rousseur. Bah, ça va. Ah, donc là, t'aimes bien parce qu'elle a pas de taches. Ouais, ouais. C'est pas les rousses que t'aimes. Donc, en fait, c'est pas les rousses que t'aimes pas, c'est les gens qui ont des taches de rousseur. Ouais. Ok. Ah, c'est pas pareil alors. Moi j'ai des taches de rousseur par exemple, je suis pas rousse. Bah oui, mais là ça veut dire que je t'aime bien. Donc ensuite après les tu préfères, ta tête on voit, lève-toi. C'était les questions genre un peu devinettes et après les énigmes, ok? Ouais. Donc dans les questions, combien font 3 fois 25? What? Mais what? Mais t'es fort en maths non? Bah oui mais bah voilà. Allez réfléchis. 3 fois 25. Tu fais 2 fois 25 plus 25. Oh, tu vas te taper quoi. Alors 3 fois 25. Ouais, c'est ça. J'ai trop envie, ouais. T'es fort, de ouf.
Et combien font 3 fois 75? Combien? 225. C'est ça. Concombre. Combien y a-t-il de planètes dans l'espace et est-ce que tu saurais les réciter dans l'ordre? Parce que ça, tu sais. De quoi? Il y a combien de planètes dans l'espace et genre est-ce que tu sais les réciter? Bien sûr. Bah vas-y, c'est bon. Alors Mercure, Vénus, je veux dire Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, c'est pas Neptune, c'est Uranus, Neptune, Pluton. Il y en a d'autres, je me suis rebut. Non, c'est tout. Ouais, non, il y en a d'autres. En plus, il y en a un, il s'appelle Makemake. Et je m'en souviens plus, il suffit de regarder, c'est pas sorcier, hop, ça je sais plus. Ah mais non, mais c'est parce qu'en fait là t'es en train de rester même des planètes que les gens ils connaissent pas. Ouais. Donc ensuite nous allons passer aux énigmes. Pour commencer, écoute bien. Quand je sèche, je mouille. Qui suis-je? Quand je sèche, je mouille. Ouais. Bah la l'eau. Non, non, réfléchis bien, quand je sèche, je mouille. Qui suis-je? Ah, c'est la glace. Non. Bah. Quand je sèche, je mouille. Quand je sèche, je mouille. Qui suis-je? What the fuck is that? C'est... Mais moi je dirais un truc de liquide, hein. De la glace ou de l'eau, je sais pas. Non. Bah, qu'est-ce que tu peux dire, toi? Une serviette. Quand je sèche quelqu'un. Je mouille et je récupère l'eau de quelqu'un. Bah non, il aspire l'eau, il mouille pas. Oui, non, mais voilà quoi, c'est... Ah, t'as même pas compris la blague, il est là en train de me justifier sur l'énigme que j'ai trouvée. La souris mange le fromage, le chat mange la souris. Qui reste-t-il? Le chien. La souris mange le fromage, et du coup, le chat mange la souris. Qui reste-t-il? Le fromage. Mais non, le fromage il est mangé par la souris. Bah alors j'en sais rien moi. Mais qui c'est la tête de la souris. Mais la souris elle est mangée par le chat. Bah alors ce chat. Bah voilà. Bah voilà, c'est ça. Quel est le plus gros chiffre du monde? Le plus gros chiffre du monde? Bah y'en a pas. Bah y'en a un sur la solution là. 13 000. Bah là il dit 9, car les chiffres vont de 0 à 9. C'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous a plu, que ça a changé encore. Quand vous abonnez, c'est qu'il a une chaîne YouTube, celle d'avant elle avait été supprimée, ce qui fait qu'il en a refait une autre. Donc deux autres. Donc pour ceux que ça intéresse, tu mets quoi sur ta chaîne à toi? Du gaming, que du gaming. Si ça vous a plu, je vous laisse mettre un petit like. Si vous ne l'êtes pas encore, je vous laisse vous abonner. Et vous abonner également à la chaîne de Maëlle sur le lien que je vais mettre en barre d'infos. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve bientôt. À dimanche prochain. Yeah.